C'est toi que nous voulons, c'est toi que nous cherchons, c'est toi que nous invoquons. Agrée-nous dans ta présence ce soir, Seigneur. Agrée-nous dans ta présence ce soir, ô Père éternel. Agrée-nous dans ta présence, ô Père. Regarde-nous au travers du sang de Jésus et agrée nos vies ce soir. Nous ne voulons pas être loin de toi, nous voulons être le plus près possible ce soir, ô Roi des gloires. Nous voulons te sentir plus près, que nous puissions sortir de cette présence avec ton parfum sur nous, ô Roi des gloires. Avec ton image imprimée, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Esprit de vie, viens nous ouvrir les oreilles spirituelles pour que nous puissions comprendre les mystères. Viens nous ouvrir les yeux pour que nous puissions voir, ô Roi des gloires. Merci pour ce que tu vas continuer à accomplir dans nos vies. Ce soir t'appartient, Seigneur, nous t'appartenons, nous sommes à toi. Ce moment t'appartient, c'est ton temps, Seigneur. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Shalom, shalom. Nous rendons grâce à Dieu encore pour ce programme qu'il nous donne, ce temps que lui l'a mis à part pour nous. Il veut passer ce temps avec nous. Nous rendons grâce à Dieu. Si tu es là, c'est que Dieu a planifié que tu seras là. Avant que nous puissions inviter le prophète, je veux que tu pries pour toi-même. Je veux que tu pries pour ta vie. Tu sais, souvent, il faut prier pour toi-même. Souvent on veut qu'on prie pour nous, souvent on veut que le pasteur nous impose les mains, souvent on veut que le prophète parle quelque chose, dise quelque chose sur nos vies. C'est très bien, c'est très important. Mais il y a des jours où tu ne peux pas laisser ta destinée entre les mains de quelqu'un d'autre, tu dois te prendre en charge. Et ce soir tu vas dire à ton esprit, tu vas dire à ton âme, écoute la parole de Dieu. On va encore faire cette prière, dis à Dieu, ouvre mes oreilles, je vais entendre les révélations ce soir. Ouvre mes yeux, je veux voir la parole ce soir. Tu vois ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas bien le comprendre. Pour connaître vraiment quelque chose, il faut le voir. Alors, tu vas prier que le Seigneur puisse te montrer la parole ce soir. Tu vas dire que quand la parole va sortir, que tu oserais entendre et que tes yeux puissent le voir. Alors, tu vas prier avec moi, dis à Dieu, ouvre-moi les yeux. Si tu commentes, dis ces trois phrases. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Spirituel, bien sûr, je ne parle pas de ça. Ouvre mes oreilles spirituelles, je veux entendre. Ouvre mon cœur, je veux être transformé. Il a dit dans sa parole, il a envoyé la parole et c'est la parole qui les guérit. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui te rendra libre. C'est la vérité qui t'introduira dans ta richesse, dans ta destinée, qui te donnera cette guérison. C'est la vérité qui te donnera l'onction que tu cherches. C'est la vérité. Et c'est ce qu'on veut faire ce soir. Ce ne sont pas des moments juste, tu es là, tu vas manger ton téléphone et tu commences à manger ou à préparer. C'est le temps où tu vas être libéré. Tu vas connaître une vérité qui va t'affranchir. Tu vas être en contact avec une vérité que tu n'avais jamais entendue. Et cela va te révolter, va transformer ta vie. Alors prie pour que tu ne sois pas loin, que tu ne sois pas là, mais tu n'es pas là. Prie seulement que le Seigneur t'ouvre les yeux, qu'il t'ouvre les oreilles, qu'il t'ouvre ton cœur. Que tes yeux voient, que tes oreilles entendent et que ton cœur soit transformé. Alléluia. Ouvre-moi les yeux ce soir. Je crie à toi, Seigneur, ouvre-moi les yeux ce soir. Je crie à toi, Seigneur, ouvre mes yeux, je veux voir. Ouvre mes yeux, je veux voir. Ouvre mes yeux, je veux voir, Seigneur. Oh, ouvre mes yeux spirituels ce soir. Ouvre mes oreilles, je vais entendre ta voix. Je vais entendre ta parole. Je vais entendre ce que tu veux que je puisse comprendre ce soir, au Roi des gloires. Je vais entendre la révélation que je n'avais jamais eue. Je vais entendre une vérité qui va me libérer. Je vais entendre une parole qui va me guérir. Je vais entendre une parole qui va me transformer. Ce soir, Seigneur, ouvre mon cœur. Que la parole, la sémence puisse tomber là-dedans et que ça puisse produire des fruits. Tu dis, c'est comme une pluie qui vient du ciel, qui tombe et qui ne peut pas rentrer sans avoir accompli la mission pour laquelle elle a été envoyée. Laisse que la sémence que tu veux faire tomber dans mon cœur ce soir, Seigneur, ne rentre pas sans rien. Qu'il puisse produire des fruits, qu'il puisse produire des fruits dignes de la repentance. S'il te plaît, Seigneur, que ce soir je sois transformé. Je ne vais pas passer à côté, que chaque chose qui sortira de la bouche de ton serviteur, que je puisse prendre ma part.
courir avec et transformer ce monde. Seigneur, je ne veux pas être distraite. Je ne veux pas être ici et mes oreilles sont fermées. Je ne veux pas être ici et mes yeux sont fermés. Je ne veux pas être ici et mon cœur est fermé. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur. Je veux voir. Je veux voir. Ouvre mes oreilles, Seigneur. Je veux entendre. Ouvre mon cœur. Je veux être transformé. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Parle-nous, 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 parle-nous. Parle-nous ce soir, Saint-Esprit. Nous prions pour ton serviteur, le prophète Francis Ngaola, qui va bientôt venir nous parler de ta part. Seigneur, utilise-les comme tu l'avais jamais fait auparavant. Que les personnes qui sont connectées ici te voient, toi, au travers de ton serviteur. Qui t'entendent, toi, au travers de ton serviteur. Qui soient vraiment transformés par toi, au travers de ton serviteur. Tu connais chaque personne qui est connectée. Tu connais là où ils se trouvent précisément. Les gens que tu veux localiser ce soir, Seigneur, localise-les. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. C'est toi le chef, c'est toi le maître, c'est toi le boss. Nous t'appartenons. Ton serviteur t'appartient. C'est ton t'appartient. C'est moment, c'est ton moment. Fais ce que tu voudras. Nous sommes là comme Marie pouvait dire. Je suis ta servante, qui me soit fait selon ta volonté. Nous sommes là tes enfants. Occupe-toi de nous. Nous sommes là pour toi. Et fais de nous ce que tu voudras, Seigneur, ce soir. Nous sommes à ta, vraiment à ta merci. Merci pour ce que tu es, merci pour ta présence. Nous couvrons cette ligne par le sang de Jésus. Chaque personne qui est ici, nous le couvrons par le sang de Jésus. Et nous scellons chaque chose qui va sortir, qui va se passer ce soir par le sang de Jésus. Que celui qui vole ne puisse pas trouver l'accès. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, Père. Amen, 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 amen. Envoyez-moi des petits cœurs pour me dire bonjour. Contente de vous voir. Dieu est là. Tout va bien. La paix est là. Si tu peux la sentir, on nous a dit cela. C'est le signe que le Seigneur est là. Moi, en tout cas, je me sens tellement en paix. Aïe, Dieu est bon. Nous allons aller chercher le prophète déjà. Comme ça, on gagne le temps. Quand il entre, envoyez beaucoup de cœurs pour qu'il se sente à l'aise au milieu de nous. Hier, il est parti très vite. Envoyez beaucoup de cœurs comme ça. Il est vraiment à l'aise au milieu de nous. Il reste le plus long. J'ai eu beaucoup de témoignages, les gens qui témoignaient ce qui s'est passé hier dans des maisons. Moi-même, je suis la première à être touchée. Je vous assure, c'était une nuit. OK. Le prophète est déjà là. Envoyez des cœurs. Envoyez beaucoup de cœurs comme ça. Il se sent à l'aise au milieu de nous. Shalom, shalom, prophète. Shalom, maman Mireille. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Contente de vous revoir. Le plaisir est partagé. Toujours prête à vous servir, maman. Amen, amen. Merci, Seigneur. En tout cas, nous étions en train de rendre grâce à Dieu pour votre vie. On s'est dit, on a des gens dans notre pays. L'Église est là bien représentée, bien sûr, lequel nous pouvons compter dans le sens où Dieu peut envoyer une parole et on va être nourri. Alors, on est vraiment privilégié ce soir de vous avoir. Sans plus tarder, je vais vous passer le micro comme ça, vous commencez. Les gens m'ont envoyé des messages, papa. Ils ont dit, hier, ils sont restés assoiffés. C'était tellement consistant, mais très court. J'ai dit, vous êtes habitués à parler 3 ans, 4 ans, c'est pas ça. Des fois, il y a des cours qu'il faut que ce soit pris pour que tu puisses bien les mémoriser. Alors, bon, j'ai vu, comme ça, ils ont vu que j'ai quand même passé le message. Mais vous êtes vraiment là, que le Saint-Esprit vous dirige, on est là aussi. Alors, merci maman. Avec votre permission, je voudrais commencer par une courte prière, si vous m'autorisez. Amen. Avec joie. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te bénis pour ta grâce. Je te bénis parce qu'en ce moment encore, tu es avec nous. Mm-hmm. Seigneur, nous prions que tu puisses nous utiliser parce que tu accompliras ta volonté, tu accompliras ton travail au travers de nos esprits, Seigneur Jésus. Et dans la communion de l'Esprit, tu nous amèneras tous ensemble. Avec le Saint-Esprit, nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Le thème qui nous a été proposé pour ce soir, c'est l'adoration prophétique. Oui, oui, oui. OK. Moi, je voudrais juste prendre cela plutôt dans le volet. Quand est-ce qu'une adoration devient prophétique? Mm-hmm. Quand est-ce qu'une adoration devient prophétique? Il y a de cela 2 semaines, donc j'étais également sur ce plateau, où nous avons parlé sur adorer en esprit, ce que ça voulait dire. Je me rappelle encore très bien de toute la matière que le Seigneur nous avait donnée. Mm-hmm.
l'une des choses les plus importantes que nous devons absolument savoir, c'est que le monde de Dieu, c'est le monde de l'esprit. Dieu ne communie pas avec la matière, mais Dieu communie avec l'esprit. Dès lors que nous fournissons l'effort d'amener la matière chez Dieu, nous commençons à sortir de ce que Dieu veut faire. C'est pourquoi vous allez remarquer que le très excellent apôtre Paul dit ceci, il dit, je connais un homme, si c'était dans le corps et si c'était dans l'esprit, je ne sais. Mais il dit, tout ce que je sais, c'est qu'il a été ravi. Et il lui-même revient pour dire, il a été ravi en esprit. Peut-être dans le sixième, dans le septième ciel, lui-même dit, je ne sais. En fait, la véritable pensée avec laquelle moi je voudrais que nous commencions ce soir, c'est que les choses de l'esprit, c'est dans l'esprit qu'on les vit. La chair ne fait que avoir des sentiments de ce qui se passe dans l'esprit. C'est comme ça que vous allez remarquer, la Bible dit que lorsque Moïse sortait de la tente d'assignation, sa peau brillait. Pour que la peau de Moïse brille, il fallait d'abord que son esprit brille au-dedans de lui. C'est comme ça que l'Éternel disait, Moïse, c'est un homme avec qui je parle face à face. Ça ne veut pas dire que l'Éternel faisait descendre un visage en face de Moïse. Non. Mais quand Moïse venait dans la présence de Dieu, il pouvait ressentir dans son esprit qu'il y a quelqu'un qui est en train de le regarder. Amen. Que lui ne voit pas, mais que son esprit pouvait capter la lumière. Alors, c'est comme ça que quand Moïse sortait, son visage brillait parce que son esprit au préalable avait brillé. Amen. Et quand son esprit brille, Moïse peut se couvrir le visage, mais il montre déjà que le ministère de l'esprit sera de beaucoup supérieur en gloire. Or, maintenant, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, lorsque nous marchons avec Dieu et que le Saint-Esprit est en nous, la différence qu'il y a entre un homme spirituel et un homme charnel, c'est que dans l'homme spirituel, c'est son esprit qui assure le gouvernement intérieur et extérieur. Suivez-moi très bien parce que je suis dans l'introduction. Vous savez, Jésus a dit ceci à ses disciples. Il dit, tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. Ce verset n'était pas applicable dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, le ciel dirigeait la terre. Dans le Nouveau Testament, l'Esprit est descendu sur la terre, est entré dans les hommes. Ils sont devenus spirituels et ce sont les hommes sur la terre qui commencent à diriger le ciel depuis la terre. Ok. C'est comme ça que, par exemple, lorsque je chasse un démon, si je fais ce geste, toi, esprit impur, sors. Ouais, par ceci, humainement parlant, on comprend que je chasse quelqu'un. Je peux poser cet acte sans sortir de ma bouche, toi, esprit impur, sors. Mais l'esprit qui est en face de moi sait que la disposition de mon esprit est qu'il doit sortir. Et par le geste de ma main, il peut partir. Ok. C'est comme ça que vous allez remarquer que dans l'Ancien Testament, il fallait que Moïse, quelquefois, ou ceux qui portaient l'arche, pose le pied sur l'eau pour que l'eau sèche. Mais dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qui va se passer? Nous ne dirons pas à l'eau, tu vas obéir à nos pieds, parce que l'eau obéit déjà à nos jambes et à nos pieds spirituels. Ok. C'est comme ça que être un homme spirituel, c'est même ça la base de la nouvelle alliance. Amen. Et si nous ne sommes pas des hommes spirituels, notre adoration ne peut jamais être prophétique. Parce que tout commence par le fait que, dans notre essence, nous devons nous considérer comme étant des êtres spirituels. C'est comme ça que j'aimerais dire à ceux qui nous suivent, quand on adore Dieu, on ne croise pas les bras, parce que c'est ce qu'on appelle des mouvements prophétiques. On lève les mains, on crie, on pleure, on rit, on chante, on danse. Si ces mouvements sont dictés depuis votre esprit, c'est la même chose qui se passe dans votre esprit en ce moment-là. C'est comme ça qu'en hébreu, par exemple, lorsqu'on parle d'adorer Dieu, la Bible utilisera un mot proskuneo,
qui veut simplement dire se prosterner. Mais celui qui se prosterne n'a pas forcément fléchi les genoux du corps, mais il a fléchi les genoux de l'esprit. Wow. Et quand les genoux de l'esprit ont fléchi, les genoux du corps, quand ça va fléchir à leur tour, cette personne n'aura jamais mal dans la présence de Dieu ni des courbatures. Amen. Oh. Parce que ces genoux physiques sont suspendus au mouvement de ce qui se passe dans son esprit. Amen. Amen. C'est comme ça que l'homme spirituel est par essence un homme prophétique. Wow. Donc l'homme spirituel est par essence un homme prophétique. Ça veut dire ses gestes, ses actes sont prophétiques. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aimerais le dire parce que le Seigneur m'a demandé de le dire à quelqu'un qui me suit. C'est comme ça que quand un homme spirituel éprouve de la tristesse ou il est affecté par quelque chose qui le fait pleurer, la condamnation de Dieu tombe déjà sur ceux qui lui ont causé cet ennui. Ah oui! Ah oui, ah, étant donné que les larmes qui ont coulé de son esprit ont eu leur répercussion sur son corps d'une manière physique, et la condamnation de Dieu est tombée. C'est comme ça que quelquefois dans nos familles, il est de ces personnes qui marchent avec une certaine malédiction, mais en réalité leur malédiction est venue du fait qu'ils n'ont pas respecté l'homme spirituel que je suis au milieu d'eux. Hey, Seigneur, sauve-nous. C'est comme cela également que dans les églises, il est de ces gens qui n'évoluent pas dans leur esprit. Il est de ces personnes qui ne voluent pas dans leur communion avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris l'habitude du corps de l'homme de Dieu, mais ils n'ont pas compris que l'homme de Dieu est un esprit vivant. Amen, amen, amen. Or, là où il y a un esprit vivant, il y a toujours deux choses, la grâce et la sentence. Amen. Donc, il y a toujours deux choses, la grâce et la sentence. C'est pourquoi j'insiste encore pour dire, je ne fais que poser les jalons. Le plus important, c'est de se considérer et d'être un homme spirituel. Parce qu'un homme spirituel est prophétique par essence. En quoi est-ce qu'un homme spirituel est prophétique? Parce que lorsque nous parlons de l'adoration prophétique, nous ne parlons pas de l'adoration des prophètes. Ok. On peut être un prophète, mais sans faire une adoration prophétique. Prophétique, ok. On peut être un chrétien normal, mais en faisant une adoration prophétique qui est plus profonde que ceux qui s'appellent prophètes. Amen, 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 amen. Parce qu'on peut être prophète par le titre, mais par moment, connaître des crises d'identité prophétique dans son propre esprit. Et c'est ce qui fait qu'il est de ces personnes qui passent à côté de certaines choses. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas que l'être qu'ils sont est d'abord un esprit. Et que quand Dieu se présente à eux, il ne se présente pas à leur corps, mais il se présente à leur esprit. Là où Moïse a vu le buisson ardent, quand il est arrivé là où le buisson était ardent, il n'a pas vu l'homme, mais il a entendu la voix. La voix. Et quand Moïse entend la voix, son esprit en lui est en train de bouger, est en train de trembler. Pourquoi? Parce que dès ce moment-là, Dieu est en train de métamorphoser son esprit, de faire de lui un homme spirituel. Donc, être un homme spirituel, c'est le premier pas vers l'adoration prophétique. Okay. L'adoration n'est pas prophétique parce que quand on a prié, à un moment, on a chanté en langue. Non. L'adoration n'est pas prophétique parce que lorsque on est en train d'adorer, à un moment on a crié hey, parce que il est de ces personnes qui lorsqu'ils prient sont en train de pleurer. Vous pensez qu'ils voient quelque chose? Ils ne voient rien. C'est de l'intimidation. Pardonne-moi. Wow. Mais l'homme qui voit n'a pas besoin d'intimider. Mais vous allez sentir que de son esprit, il est en train de dégager la chose que j'appelle la présence de Dieu. Amen, amen, amen. Donc, le premier pas, c'est d'abord être un homme spirituel. Alors, c'est quoi être un homme spirituel? C'est considérer la première valeur qui fait de l'homme un homme spirituel. La première valeur, c'est de grandir dans la nature de Dieu. Or, la nature de Dieu se cache dans sa sainteté. Ok. C'est pourquoi quand Dieu se présente à l'homme, il se présente toujours dans la dimension de sa sainteté, étant donné que sa puissance, sa grâce et consort
sont des choses qui ne se manifestent bien que là où la sainteté de Dieu est élevée. Amen, amen, amen. Alors, amen. Ceux qui minimisent la vie de sanctification, ceux qui minimisent les péchés, ne peuvent pas être des réels hommes spirituels, même s'ils libèrent l'onction. Ok, ok, ok. Parce que ils peuvent libérer l'onction à cause de, du fait que dans leur esprit, il y avait déjà une dose qui leur était accordée. Ils peuvent continuer à libérer l'onction aussi à cause du fait que le milieu dans lequel ils se trouvent est déjà un milieu qui porte le cachet d'une alliance entre Dieu et son serviteur, entre Dieu et son église, entre Dieu et son peuple. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, tout signe d'onction n'est pas forcément le fait que Dieu soit là. Ok, ok, ok. Mais un homme spirituel marche dans la sanctification et quand il libère la vie de Dieu. Amen, 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 amen. Il libère la vie. Amen. C'est comme ça que maman Mireille, il y a beaucoup de gens qui sont des bons prédicateurs, qui sont des bons enseignants, mais la parole qu'ils prêchent change très peu d'hommes. Parce que cette parole-là ne sort pas d'eux-mêmes qui sont des esprits vivants, mais ça sort de la connaissance théologique acquise. Ok, ça c'est vrai ça. Donc la première des choses, c'est être et constituer un homme spirituel. J'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu. Nous sommes dans 2 Corinthiens 3, verset 18. Je vais lire la version parole vivante d'Alfred Quinn qui est juste extraordinaire. La Bible dit ceci, 2 Corinthiens 3, verset 18. Je sens une forte présence de Dieu ce soir. Amen, 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 amen. Je sens une forte présence de Dieu. Amen, amen. Merci Seigneur, merci Seigneur. Il y a une dame qui est en train de nous suivre dans son ventre. Il y a de cela 3 semaines, on lui avait dit qu'elle avait 2 petites boules qui étaient comme des œufs, comme ça. Et en fait, on lui parlait des kystes, mais qui avaient comme la taille des œufs de poule. Et là, même où je suis en train de parler, Dieu est en train d'enlever ça. Excusez-moi de ce que je veux dire, mais pendant que nous serons en train de continuer à parler, un moment, elle ira aux toilettes. Et quand elle aura fini de faire ce qu'elle ira faire, elle va toucher, elle remarquera qu'elle ne sentira plus ces 2 pierres-là, ces 2 œufs qu'il y a dans son ventre. Parce que Dieu vient de la guérir et au même moment, Dieu est en train de chasser un esprit de stérilité qui était venu habiter en elle. Parce qu'elle a déjà eu un enfant et depuis, elle n'arrive plus à concevoir. Eh Seigneur. Voilà, et Dieu est en train de la toucher. Amen. Et l'un des meilleurs amis de son mari, pour qu'elle sache que c'est elle, s'appelle Tazadi, et elle-même s'appelle Rachel. Et Dieu est en train de la guérir. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié ce soir. Donc, revenons un peu dans 2 Corinthiens 3, verset 18. Je lis la version parole vivante. La Bible dit, « Or, c'est sans voile, le visage découvert, que nous tous, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes constamment transformés d'après son modèle pour lui ressembler davantage de jour en jour et en refléter une image toujours plus fidèle. Sa gloire devient progressivement nôtre. Il ne saurait en être autrement, car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même par son esprit. » Merveilleuse parole. Waouh, 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 waouh. Quand on parle ici, je vais décortiquer, on dit « Oh, c'est sans voile le visage découvert. » Mais c'est quoi ce visage découvert-là? Ce n'est pas le visage de la figure, mais c'est le visage de notre esprit qui apparaît devant Dieu sans voile. Parce que la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Or, Jésus en mourant à la croix, le voile du temple s'est déchiré. Ça veut dire que ce voile qui s'est déchiré dans notre esprit, nous donnons la capacité d'avoir accès chez Dieu. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand nous avons cet accès chez Dieu, nous commençons à le contempler. C'est comme ça que quand vous venez dans la présence de Dieu pour adorer, apprenez à ne pas multiplier beaucoup de paroles,
Mais apprenez d'abord à demeurer calme jusqu'à ce que vous sentez que votre esprit s'est ouvert et que le ciel est ouvert. Ok, amen, amen, amen. Et la Bible dit, nous contemplons comme dans un miroir. Pourquoi? Parce que lorsque nous adorons Dieu, en réalité, les choses que nous ressentons deviennent plausibles que lorsque la présence de Dieu nous a préalablement remplis. Et quand ça nous a remplis, l'œil peut s'ouvrir, mais je répète, l'œil qui s'ouvre ne voit pas Dieu, mais l'œil qui s'ouvre entend Dieu. Amen. Parce que dans le monde spirituel, on entend Dieu avec les yeux. Amen. Ouvre-moi les yeux, Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi quand la Bible, voilà, quand vous, par exemple vous dites ouvre-moi les yeux, ça veut simplement dire Seigneur, ouvre-moi mon être intérieur qui peut communier avec toi en esprit. Yes. Et ceux qui ont déjà reçu la visitation physique du Seigneur Jésus, moi j'ai reçu la visitation physique du Seigneur Jésus le 2 novembre 1998, le jour de mon anniversaire. Ce jour-là, quand le Seigneur m'a visité, il m'a parlé sans ouvrir les yeux. La bouche, pardon, mais il m'a regardé dans les yeux et toutes les promesses qu'il m'a faites dans la vie ont commencé à résonner dans mon être intérieur. Wow. Donc, c'est comme ça que la Bible dit, donc, nous le contemplons comme dans un miroir, mais qu'est-ce que nous contemplons? La gloire de Dieu. Mais c'est quoi la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est la chose qui manifeste la vie de Dieu. Okay. C'est pourquoi le monde spirituel est constamment en mouvement. Et c'est un monde qui n'est pas statique. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Là, je suis encore que dans ce passage. La Bible dit, nous sommes constamment transformés d'après son modèle. Écoutez-moi bien, je ne fais qu'introduire. Lorsque nous sommes en train d'adorer Dieu, dans un esprit prophétique, qu'est-ce qui se passe? Les choses que nous ressentons, ce n'est pas Dieu qui les ressent, c'est nous. Okay. Ce n'est pas Dieu qui est transformé, c'est nous. C'est comme ça que j'ai l'habitude de dire qu'à chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, il y a quelque chose en nous qui meurt et il y a quelque chose de Dieu qui vient vivre en nous. Et nous sommes transformés selon ce modèle. Maman Mireille, je vous en supplie, si vous voulez reconnaître un homme qui est un adorateur spirituel, vrai, vous allez remarquer cela parce que certaines choses de son caractère vont commencer à mourir sans les remarques des hommes. Ok. Mais parce que quand il sera dans la présence de Dieu, la chose qui le nuit, la chose qui l'empêche d'aller de l'avant, c'est cette chose que Dieu va toujours ôter en premier. Amen. C'est comme ça que nous autres, des anciens nerveux qu'on était, des anciens bagarreurs qu'on était, des anciens orgueilleux qu'on était, du jour au lendemain, on s'est rendu compte qu'on a changé sans conseil. Parce que simplement, quand j'adore Dieu dans mon esprit est transformé à l'image de ce que Dieu est. Yes. Et cette image, même si nous ne la voyons pas avec l'œil, elle s'imprègne dans notre esprit. Amen. Et lorsqu'elle s'imprègne, elle commence à nous changer. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est comme ça que l'adoration est plus forte que l'intercession. Parce que l'intercession nous amène à plaider pour changer. Mais l'adoration nous place directement dans le camp de ceux qui décident de notre changement. Amen, 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 amen. Ouf, Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, la Bible d'ajouter, pour lui ressembler davantage de jour en jour et en refléter une image toujours plus fidèle. Ça complète ce que je disais. Donc, au fur et à mesure que nous sommes en train d'adorer Dieu, le Seigneur est en train de me parler d'une sœur qui est connectée actuellement. L'Esprit de Dieu m'amène dans son téléphone. Elle a un iPhone 11. Et je vois que dans son téléphone, elle a beaucoup de musique mondaine. Elle a beaucoup de musique mondaine. Et non seulement qu'elle a des musiques mondaines audio, elle a même des clips qu'elle a enregistrés dans son téléphone. Au point que dans son téléphone, elle n'a qu'une seule version de la Bible. Et l'Esprit de Dieu me dit ceci. Elle a tout fait pour abandonner cela, mais elle n'arrive pas. Du coup, elle se pose la question, mais comment je vais abandonner? Ma sœur, quand tu viens régulièrement chez Dieu, quand tu cherches généralement Dieu dans l'adoration, il va te donner des capacités qui vont tuer l'incapacité à abandonner le mal. Ok. Et cette sœur, merci Seigneur,
Et cette sœur-là qui est en train de me voir là, maintenant, Dieu m'a dit, quand on va finir l'émission, enlève ces images, enlève cela de ton téléphone. Mm-hmm. En plus, tu as même un copain. Et ce copain-là te demande souvent des photos de toi. Et quand j'entre dans la galerie de ton téléphone, et le code de la galerie de ton téléphone, c'est un code à 6 chiffres. Parce que tu caches justement à l'intérieur des photos de toi dévêtues. Dieu me les a montrées, mais floues, pour que mes yeux ne pêchent pas. Et tu envoies ça souvent à ce garçon. Je peux même te donner le nom de ce garçon. Il s'appelle Patty. Yes. Hey, Seigneur. Ouf. Et le Seigneur me dit, il a besoin de toi. Et au fond de toi, tu sais que tu es une servante de Dieu. Mmh. Mais tu es en train de négliger cela. Je peux même te donner un autre détail pour que tu saches que c'est toi. Aïe, aïe, aïe. C'est que tu as mis des babouches. Et tes babouches, là, c'est le genre de babouches comme on appelle généralement à Kinshasa la gomme. Mais ce ne sont pas des la gomme. Et c'est de couleur vert fluorescent. L'Éternel t'a tellement localisé parce que Dieu t'avait prévenu que tu as besoin de changer de vie. On revient à la parole de Dieu. Soyez calme. Alors, la Bible dit, sa gloire devient progressivement nôtre. Il ne saurait en être autrement, car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même par son esprit. Donc, vous voyez que la communion ou l'adoration prophétique commence d'abord lorsque nous sommes des hommes spirituels, parce que seul un homme spirituel peut communier avec le Saint-Esprit qui, lui, est esprit. Amen, amen, amen. Il y a une sœur qui me suit qui s'appelle Sandrine. L'Esprit de Dieu est en train de me parler. Là, là même où je parle, sa maman avait eu des malaises aujourd'hui vers 11h. Et pendant que je parle, je la vois assise, je la vois endormie sur un canapé. Et pendant que je parle, l'Esprit de Dieu est en train de la guérir là où elle est sur ce canapé-là. Amen, amen, amen. Je ne parle pas de la Sandrine que moi je connais, mais je parle d'une Sandrine que je ne connais pas. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Merci, que Dieu soit glorifié. Amen. Alors, qu'est-ce qui fait que nous soyons... Quand est-ce que notre adoration devient prophétique? Je vais donner 7 clés. La première clé, c'est... 8 clés, pardon. La première clé, notre adoration commence à devenir prophétique lorsque nous réalisons que nous sommes des hommes spirituels. Ok. Ouf. La deuxième clé, tout ça, c'est ce que je venais d'expliquer longuement. La deuxième clé, notre esprit commence à devenir spirituel. Notre adoration commence à devenir prophétique lorsqu'on porte dans son esprit la charge et le poids de Dieu. Ok. Je vais expliquer. Notez, s'il vous plaît, notez, s'il vous plaît. Donc, notre adoration, deuxièmement, devient prophétique lorsque nous portons dans notre esprit la charge et le poids de Dieu. Amen, amen, amen. En ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? L'homme qui adore ne porte plus l'arche, mais il porte Dieu. Amen. Ceux qui portent l'arche peuvent déposer l'arche. Mais ceux qui portent Dieu ne peuvent pas déposer Dieu. Amen. C'est fort, ça. Ouf. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes dans Éphésiens 4, verset 30, la Bible dit ceci, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été saints. » Une autre version dit, « Avec lequel vous avez été saints. » Et le verbe utilisé par saint ici, dans sa version grecque originale, ça veut dire que le Saint-Esprit et nous sommes censés porter la même ceinture autour des reins. Amen. Mais pourquoi nous portons la ceinture autour des reins? Parce que généralement, l'esprit de l'homme se retrouve au niveau de son ventre. C'est comme ça que quand nous jeûnons, nous humilions notre corps, nous élevons notre esprit. Seigneur. Alors, quand dans la Bible on parle de la prophétie, ça vient d'un mot qui veut simplement, d'un mot qui est prophémie, et ceux qui ont la version Chouraki, une version que moi j'aime particulièrement, le prophète dans l'Ancien Testament, dans la version Chouraki, avait l'habitude de dire, au lieu de dire ainsi parle l'Éternel, il disait charge de l'Éternel. Ça veut dire que le prophétique, c'est d'abord une charge qui vient se poser dans notre esprit. Parce que le Seigneur communique avec notre esprit. Je suis en train de dire quelque chose d'important. Dans l'adoration, Dieu n'est pas attentiste.
Dans l'adoration prophétique, Dieu est en action. Amen. Il est actif. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Quand nous sommes en train, par exemple, de dire, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce parce que tu es Dieu. En ce moment-là, Dieu nous répond, oui, j'accepte ton action de grâce parce que je suis Dieu. Amen. Amen. Je peux vous le prouver. La Bible dit ceci. Un jour, Moïse a dit au Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dieu dit à Moïse, viens sur la montagne, sur le creux du rocher, j'y reviendrai. Il dit, je passerai. Et je ferai passer ma gloire devant toi. Écoutez ce que Dieu dit. Je proclamerai le nom de l'Éternel. Maintenant, quand Dieu est en train de passer devant Moïse, Moïse est silencieux. Et quand dans l'adoration, Moïse est silencieux, Dieu lui-même commence à dire, voici l'Éternel Dieu grand et fort, miséricordieux et puissant. Dieu lui-même commence à déclarer les attributs de Dieu. Ça veut dire que Dieu est en train de réagir à l'adoration silencieuse, prophétique qui se cachait dans l'esprit de Moïse. Amen. Aïe, 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 ça c'est fort ça. Wow. Parce que où avez-vous déjà vu un homme qui parle de lui-même? Il aurait pu utiliser les anges, les séraphins, les chérubins, les archanges. Non. Il a utilisé sa propre bouche pour dire qu'en réalité, ce que Dieu était en train de proclamer, c'est ce qui se cachait dans l'esprit de Moïse. C'est ce que Dieu disait de Moïse, c'est ce que Moïse disait de Dieu, mais que Dieu a sorti parce qu'il réagissait aux paroles qui se cachaient dans l'esprit de Moïse. Dans son silence. C'est puissant. Vous comprenez, c'est pourquoi c'est très important. Et c'est pourquoi j'aimerais également dire ceci, Maman Mireille, avec votre permission. C'est que quand on est un adorateur prophétique, et qu'on ressent la charge de Dieu, on reçoit aussi le tempérament divin et les émotions de Dieu. Amen, amen, amen. Il est une absurdité aujourd'hui dans le monde chrétien. Quelqu'un prophétise pour vous en disant, ainsi parle l'Éternel, tu vas mourir en riant. Non, Dieu n'aime pas la mort de son peuple. Ça veut dire que si la prophétie vient de Dieu, je dois d'abord avoir le tempérament et les émotions de Dieu quand il est en train de parler. Okay. Or, dans la Bible, Dieu parle de lui-même comme ayant des émotions. La Bible nous présente Dieu en train de rire. La Bible nous présente Dieu en train de pleurer sur le sort d'Israël. Il pleure parce qu'il devra frapper Israël à cause de sa justice. La Bible nous présente Dieu fâché. La Bible nous présente Dieu en train de restaurer. La Bible nous présente Dieu en train de se taire. Mais aujourd'hui, l'homme prophétique n'accepte pas le tempérament de Dieu parce qu'il croit plus au public qu'à ce qu'il voit dans le monde de l'esprit. Ok. Oh Seigneur, pardonne-nous. Vous comprenez? Donc l'homme prophétique, justement, dans sa parole et dans son mouvement, quand il est en train d'adorer Dieu, il est dans la présence de Dieu. Donc il est vraiment là, là-dedans. Amen. Parce que c'était la deuxième clé qui nous amène à comprendre quand est-ce que notre adoration devient prophétique. Amen. Est-ce que je peux dire quelque chose que je sens dans mon esprit? Avance, prophète. Avance. Maman Mireille, c'est comme ça qu'un homme qui est entré dans le couloir de l'adoration prophétique, en pleine adoration, il peut être enlevé en extase. C'est ce qu'on appelle tomber dans l'esprit. C'est ça. Je tombe dans la présence de Dieu, mais en fait, mon esprit s'est libéré dans la présence de Dieu. Vous qui suivez les francs-maçons, ils vous mentent avec les voyages astro là. C'est des menteurs. Le Saint-Esprit va vous prendre bas, il vous amène dans la présence de Dieu. Donc, les gens voient seulement votre corps, calme, votre corps en train de trembler. Mais là où vous êtes, quand vous rentrez, vous commencez à dire, j'ai vu Dieu. Aïe, 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 aïe. My goodness, oh Seigneur, je sens ta grâce. Aïe, 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 aïe. Je sens ta présence. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. C'est comme ça que quand un homme adore Dieu, il y a une expression corporelle parce qu'il porte une charge. Et quelquefois, quand dans l'adoration prophétique, descend la présence de Dieu. Vous allez voir l'homme qui était debout, grand comme Papa Marcelin. Il commence lui-même à descendre, à tomber, comme on ralentit. Pourquoi? Parce que c'est un poids qu'il ressent sur son esprit. Oh my God. Celui qui n'a jamais ressenti le poids de Dieu n'a jamais porté Dieu. C'est pourquoi un jour, quelqu'un m'a posé la question, prophète, toi aussi, quand tu pries, tu tombes. J'ai dit, moi, je tombe pas seulement. J'ai fait des chutes, je roule même par terre.
Il m'a dit un prophète de votre rang. J'ai dit, hey, pour un Dieu de son rang, quel rang? C'est comme ça que maman Mireille, nous autres, c'est comme ça que nous autres, nous n'aimons pas prier avec certaines personnes parce qu'on risque de les choquer, de les scandaliser. Ils vont dire, mais comment lui, un prophète comme ça, de son rang qui est reconnu, et puis il pleure bêtement, il crie lui-même, il tombe. Parce que le poids de la présence de Dieu, le prophémie s'impose dans mon esprit. Et lorsque ça s'impose dans mon esprit, maman, je sens que je suis électrifié parce que Dieu est descendu. Moi, je ne suis pas un porteur de l'arche. Hé, Seigneur! Les fils de Corée peuvent défier le porteur de l'arche, mais ils ne peuvent pas défier le porteur de Dieu. Non, merci, Seigneur. Quand ils s'en sont pris à Aaron, parce que Aaron et les Lévites portaient l'arche, Aaron avait la verge, mais Moïse avait l'esprit. C'est pourquoi dans Nombre 16, Moïse a même dit à Dieu, Seigneur, ferme les oreilles à leurs prières. N'écoute même pas leurs prières et n'entends pas la voix de leurs offrandes. Mais comment un homme peut atteindre ce niveau? Parce que son esprit est électrifié quand il est dans la présence de Dieu. Alléluia, alléluia, amen, amen, amen. Son esprit est électrifié quand il est dans la présence de Dieu. Le prophémie, la charge de Dieu est dans son esprit. My merci God, Seigneur, Seigneur, merci que Seigneur. Je te porte dans mon esprit. Yes, maintenant, je vais vous dire quelque chose. Nous sommes encore dans le deuxième point. J'espère qu'on finira un jour. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, maman Mireille? Si je porte la charge de Dieu, or, l'humanité fléchit devant Dieu. Dans Néhémie 9, la Bible dit, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Maintenant, si moi je parviens à contenir Dieu dans mon adoration, ça veut dire que les choses qui se soumettent à Dieu se soumettent à moi, non pas à cause de moi, mais à cause de Dieu. Amen, amen, amen. Et c'est la dimension dans laquelle notre grand frère, Moïse, Dieu pouvait lui dire dans Exode 7, verset 1, « Je fais de toi Elohim pour Pharaon, je fais de toi moi. Hey. » Et Dieu dit donc, tu me porteras, tu parleras parce que je vais t'inspirer. Un porteur de Dieu est toujours différent d'un porteur de l'arche. Uzza peut mourir parce qu'il a voulu secourir l'arche. Mais David, même s'il fuit devant Absalom, il reviendra parce qu'il sait qu'à Jérusalem, il n'a pas laissé l'arche. Il sait qu'à Jérusalem, il a laissé le lieu de la rencontre avec Dieu. Et là, sur le chemin, il portait Dieu. C'est pourquoi il a écrit les meilleurs psaumes pendant qu'il fouillait Absalom. Ok. Les porteurs de Dieu sont plus importants que les porteurs des arches. Les porteurs de l'arche ont porté la théologie. Ils ont porté, oh Dieu en hébreu, c'est Mahamatia, c'est ceci. Non, nous, nous voulons porter Dieu. Papa Aïdine Abala disait toujours, quand nous parlons de Dieu, moi je sais que nous ne parlons pas d'une théorie, mais nous parlons d'un homme qui est vivant. Amen, amen. Et papa Aïdine Abala a tellement démontré la puissance de Dieu qu'un jour, le grand bishop Benson Idaosa s'est agenouillé. Il a dit à Aïdine Abala, impose-moi la main. Et Osborne a dit à Aïdine Abala, je dois apprendre le swahili parce que Dieu exauce le swahili plus que l'anglais. Wow, écrivez, je vais porter Dieu. Maman, Seigneur, sauve-nous. C'est pourquoi celui qui porte Dieu, il ne libère pas la prophétie. Sa vie est prophétique. Aïe! Pardon, prophète, répète ça. Je répète. Celui qui porte Dieu, il ne libère pas la prophétie. Sa vie est prophétique. Je veux une vie prophétique. Même l'adoration, Seigneur. J'aimerais aller plus loin. Nous sommes toujours dans le point 2. Ça veut dire que par moment, quand les gens veulent connaître le prochain mouvement de Dieu dans l'assemblée, ils n'ont qu'à regarder le mouvement que vous commencez. Seigneur, je veux une dimension. Amen. Ils n'ont qu'à regarder. Oh Seigneur, celui qui porte Dieu, même les démons se soumettent sans effort. Yes. Parce que quand il apparaît, les démons eux-mêmes se disent, mais qu'y a-t-il entre toi et moi?
Oh, j'aimerais dire prophétiquement, Dieu me dit, prophète Moses Mukwiza, Dieu me le dit, c'est la dimension dans laquelle vous et moi nous sommes en train d'entrer. Et le Seigneur qui vous l'avait dit sur la montagne m'a dit de vous dire que c'est le temps durant lequel il est en train d'acter cette parole où les démons fuient devant vous pendant que vous n'êtes même pas venu faire un service de délivrance. Et il crie en citant votre nom. Amen, 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 amen. Thank you, Jesus. Nous sommes en incubation. Amen. Merci, Seigneur. La troisième des choses, j'aime bien le Seigneur et je respecte sa présence. L'adoration devient prophétique lorsque Dieu parle de nous, mais en utilisant sa propre identité. Je vais expliquer. Dans l'adoration prophétique, Dieu parle de nous, mais il utilise sa propre identité. Wow. My God. Nous revenons à Exode 7, verset 1. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, vois. Donc il lui dit, vois, toi-même regarde. Je te fais Elohim pour Pharaon. Or, Elohim, c'est la forme pluraliste de Eloah. Et Elohim, c'est Dieu dans sa pluralité. J'aime Dieu, je vais dire quelque chose. C'est qu'en fait, Dieu veut dire à Moïse, Moïse, dans ta bouche est suspendu le conseil divin. Mais en ce moment-là, Dieu parle d'un homme, mais il est en train d'utiliser son propre nom. Wow. Or, Elohim, dans la version originale, évoque la crainte inspirée par un supérieur. Et c'est la même crainte qui est employée dans Genèse 31, verset 42 et le verset 53. Genèse 31, verset 42 et le verset 53. Et Elohim s'employait aussi pour parler des hommes revêtus de pouvoir divin temporel et de mandat divin. C'est comme ça que dans la Bible, Dieu a appelé Moïse Elohim. Dieu a appelé Samuel Elohim. Et il y a eu aussi des rois en Israël, en hébreu, qu'on a appelé Elohim, mais qui n'étaient pas Dieu, mais qui ont bénéficié d'un mandat, qui ont bénéficié d'un pouvoir divin temporel. Parce qu'en ce moment-là, Dieu ne parle pas d'eux, mais Dieu parle de lui-même. Je vous donne un exemple. Quand vous êtes dans l'adoration prophétique, Maman Mireille, l'Éternel peut dire, voici maintenant l'Éternel des armées, alors qu'en réalité, il est en train de parler de vous. Mais pourquoi Dieu parle de vous en se citant lui-même? Écoutez-moi très bien, parce que c'est la dimension prochaine dans laquelle il est en train de vous appeler. Amen, 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 amen. Wow. Hey, à chaque fois que Dieu parle de lui, il cache un secret pour l'homme. Amen. À chaque fois que Dieu parle de lui-même dans l'adoration, il libère une dimension d'exaucement et d'autorité dans la vie de cet homme. Et cette dimension se cache dans le nom par lequel Dieu lui-même s'est présenté. Ok. C'est pourquoi quand Dieu se présente par un nom, il peut multiplier les attributs, mais il garde un nom. Et c'est ce nom-là dans lequel se cachent en réalité les alliances et la puissance de Dieu pour notre ministère. Amen, amen, amen. Nous sommes dans le conseil divin. Et il y a quelque chose qui est en train de se passer ce soir. Amen, yes. Ouf. Quelqu'un me posera la question, mais prophète, mais moi, comment je saurai à quoi Dieu m'appelle? Tu veux savoir à quoi Dieu t'appelle? Essaye de savoir comment Dieu lui-même s'appelle quand tu l'adores. Aïe, 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 Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Dieu est simplement fidèle. Ah oui, merci Seigneur. Il est fidèle et nous devons apprendre à honorer sa fidélité, merci, à élever sa fidélité. La troisième, la quatrième clé, excusez-moi. La quatrième clé. Amen. Quand est-ce que notre adoration devient prophétique? Prenez avec moi le psaume 84, verset 4 et le verset 5.
ou le verset 5 selon certaines versions. Psaume 84, verset 4, et le verset 5 ou le verset 5 selon certaines versions. La Bible dit ceci. Maman Mireille, écoutez bien, parce que Dieu est en train de vous parler maintenant. Amen. Heureux ceux qui habitent dans ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Amen, amen. L'adoration devient prophétique lorsque l'Esprit nous communique les choses qui vont arriver dans la suite des temps. Amen, amen, amen. Et Dieu généralement le fait lorsque nous sommes dans l'adoration. Amen. Amen. Je répète, lorsque l'Esprit de Dieu commence à nous communiquer les choses qui vont arriver dans la suite des temps, pendant que nous sommes en train d'adorer Dieu, en ce moment-là, notre adoration a déjà changé de dimension et elle est devenue une adoration prophétique. Ça veut dire qu'en réalité, l'adoration prophétique, c'est lorsque votre adoration commence à libérer la pensée de Dieu pour ce qui va arriver après. Amen. Est-ce que vous savez que c'est généralement dans le lieu de l'adoration que Dieu se montre le plus bavard? Ok. Dieu est plus bavard dans l'adoration quand il y a un sacrifice, plutôt que dans l'intercession quand il y a des larmes. Ok. Je vais vous le démontrer. Quand Abraham, papa Abraham, ça c'est mon oncle paternel, lorsqu'il est assis chez lui, il regarde, il voit les trois hommes s'approcher. Il pose un premier acte d'adoration, lequel il leur propose de laver les pieds et c'est lui qui lave leurs pieds. Or, pour laver les pieds de quelqu'un, il faut se prosterner devant lui. Or, quand vous êtes prosterné devant lui, Exode 20, verset 5 dit, « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée de ce qui se trouve dans les cieux et tu ne te prosterneras pas. » Or, Abraham se prosterne devant Dieu pour laver ses pieds. Il fait deux choses. À la fois, il adore. À la fois, il libère le cœur. Amen. Parce que l'eau qui coule sur les pieds de Dieu à cause d'Abraham remplace les larmes. Et ce sont les mêmes larmes que Marie de Magdala va verser avant qu'on ne puisse crucifier Jésus. Waouh, j'avais jamais eu cette révélation. La deuxième chose qui montre que c'était l'adoration qui a amené Dieu à révéler à Abraham ce qu'il partait faire à Sodome et Gomorre, c'est que Abraham fait un sacrifice. Quand il fait le sacrifice, il tue son plus gros animal. Il le sert à Dieu. Quand Dieu mange, il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Jusqu'en ce moment-là, Abraham n'a pas intercédé, il a adoré. Hey, Seigneur. Et l'adoration d'Abraham, accompagnée d'une offrande, rend également son adoration prophétique. Amen. Et à partir de ce moment-là, Dieu se sent comme contraint de libérer un secret à Abraham pendant que Abraham ne lui a pas posé la question où vas-tu. Et Dieu se montre bavard quand celui qu'il adore lui amène une offrande. Et les vrais adorateurs doivent apprendre à faire des sacrifices et à apporter généralement, régulièrement à Dieu une offrande. Parce que l'offrande que nous apportons dans l'adoration libère la présence de Dieu, libère la provision divine et libère le prophétique dans notre esprit. Amen. Or, quand Abraham fait son offrande, ça lui ouvre deux choses. La première, ça va prendre Isaac qui est dans le monde de Dieu pour l'amener dans le ventre de Sarah. Ensuite, ça va libérer Lot, un distrait, qui n'était pas un adorateur, parce qu'il a bénéficié de l'intercession de quelqu'un, mais en réalité, la personne intercède pendant qu'il adore. Le même jour. Waouh. Amen. Amen. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, un jour, nous sommes dans Jean 8, 56, si je ne me trompe pas, il dit, mais même votre père Abraham, il était dans la joie quand il a vu mon jour. Mais quand est-ce que Abraham a vu le jour de Jésus? C'est le jour où Jésus a été élevé, non pas comme un enfant, comme l'ont fait les mages, mais il a été élevé comme Dieu. Wow. Et Abraham l'a adoré. Amen. Et l'adoration
accompagné de l'offrande ou du sacrifice, a libéré la chose de Dieu. Amen, amen. Et ça a rendu Dieu bavard. Cacherai-je à mon serviteur ce que je dois faire? Cacherai-je à mon serviteur? Et une autre version dit, au lieu de dire à mon serviteur, une autre version dit, cacherai-je à mon ami? Parce que quand l'adoration devient prophétique, Dieu ne vous accepte plus seulement comme un serviteur, mais il commence à vous accepter comme un ami. Ami, ok. Bien plus proche. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et Dieu est fidèle. Ah oui, ah oui. Alléluia, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci maman, merci que Dieu vous bénisse. Il y a une très grande grâce qui est en train de se libérer ce soir. Vous savez, ce que le Seigneur est en train de me montrer, c'est une image où il est en train d'ouvrir les têtes, d'ouvrir les cœurs et de les remplir. J'aimerais commencer par cette phrase que j'ai entendue chez Dieu. Apprenons à craindre Dieu, apprenons à respecter sa présence. Apprenons à marcher dans la sanctification. Ne négligez pas la présence de Dieu, parce qu'il y a quelque chose qui se dégage. La sœur Fourara, le Seigneur me dit qu'il est en train de t'exaucer. Je suis en train de voir les larmes commencer à couler de tes yeux. Dieu m'a dit qu'il est en train de t'exaucer. Je lui rends grâce pour cela. Amen. Alors, quand est-ce que l'adoration devient prophétique? Nous nous étions arrêtés au moment où j'ai dit l'adoration devient prophétique lorsque Dieu ou lorsque l'Esprit de Dieu commence à nous communiquer les choses qui vont arriver dans la suite. Prenons le prochain point. Quand est-ce que notre adoration devient prophétique? C'est lorsque nos sacrifices et nos offrandes accompagnent notre adoration. Amen, amen, amen. Un homme prophétique pose des actes prophétiques. Et celui qui pose des actes prophétiques comprend que l'offrande est un acte prophétique. Amen. Parce que l'offrande et le sacrifice, maman Mireille, ce sont des choses bizarres. Même quand nous les utilisons dans l'adoration, Dieu se présente toujours comme étant l'Éternel des armées.
Amen, amen. Parce que quant à tout ce qui peut toucher votre bénédiction financière, la sécurité viendra lorsque vous apprenez à élever vos autels, à offrir vos offrandes dans la présence de Dieu, dans l'adoration. Amen, amen, amen. Alors quelqu'un m'a dit, mais pourquoi est-ce que quand on parle de... Pourquoi est-ce que quand on parle de des offrandes et des sacrifices, Dieu se présente comme l'Éternel des armées? C'est parce que la provision de votre bénédiction vous mettra à l'aise. Et ce qui vous mettra à l'aise vous donnera beaucoup de légèreté, donnera à votre esprit d'être léger dans la présence de Dieu. Parce que lorsque vous avez beaucoup de soucis, cela rend même votre esprit lourd. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes dans Daniel 9, 27. La Bible dit que lorsque l'Antichrist et même l'Antéchrist viendra, il fera taire les offrandes et les sacrifices dans les églises. Hey, Seigneur. Pourquoi est-ce qu'il s'en prendra à cela? Parce que l'argent que nous apportons à Dieu, les bijoux que nous apportons à Dieu, les pierres précieuses, c'est une forme d'adoration avec humilité. Et une église dans laquelle on vous interdit d'apporter vos sacrifices et d'apporter votre argent, remarquez bien, si le pasteur n'est pas dans l'occultiste, alors les fidèles ne seront pas des gens bénis. Parce que quand la Bible dit « on ne vient pas dans la maison de l'Éternel main vide », ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est la Bible. C'est-à-dire que quand je viens, ce que j'ai dans ma main attire ce que Dieu a dans sa main. Quand moi je vais lâcher ce que j'ai dans ma main, Dieu va lâcher entre mes mains ce qu'il a dans ses mains. Ok, amen. C'est amen. Pourquoi dans l'adoration, maman, Dieu n'a jamais béni les mains vides, les mains pleines, mais il a toujours béni les mains vides. Ok. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, celui qui voudra garder, perdra. Oui. Mais celui qui perdra, aura. Amen. Merci Seigneur. Dieu ne bénit que les mains vides. Amen. Quand vous venez avec un vase qui est plein, Dieu n'a rien à donner. Mais quand vous venez avec un vase qui est vide, Dieu remplit. Il remplit. Amen. C'est même pourquoi vous allez remarquer dans Luc 4, verset 1, la Bible dit « Jésus rempli de l'Esprit ». Donc si c'est en ce moment-là qu'il était rempli, c'est qu'avant d'être rempli, il s'était vidé pour être rempli en fonction de la mission. Parce qu'on ne peut dire de quelqu'un qui n'est rempli que si et si seulement si, avant cette plénitude-là, il y a eu un vide. Wow. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. La prochaine clé, quand est-ce que notre adoration devient prophétique? C'est lorsque la présence de Dieu commence à nous révéler la grandeur de Dieu en face de nos adversaires. Amen. Donc c'est lorsque la présence de Dieu commence à nous révéler la grandeur de Dieu où? En face de nos adversaires. C'est pourquoi vous allez remarquer quelquefois en Israël, on attend Israël sur le champ de la bataille, eux ils sont sur la montagne en train d'adorer. Et la Bible dit, pendant qu'ils sont sur la montagne en train d'adorer, Dieu va jeter une confusion dans le camp de leurs adversaires. Mais en ce moment-là, que sont-ils en train de dire? Ça, c'est moi qui imagine. Ils sont en train de dire, Seigneur, tu es le Dieu grand et fort, redoutable dans le combat. Mais là où eux, ils sont, ils ne combattent pas. Mais là où eux, ils sont, ils programment le combat. Parce que l'adoration prophétique fait partie des armes de notre combat spirituel. Amen. Et les gens croient qu'on a combattu seulement quand on a dit, non, mais Jésus, je te chasse. Non, on a combattu quand, malgré ce que le diable fait, nous avons la possibilité de nous prosterner devant Dieu. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Nous sommes dans Daniel 6. On a interdit, le roi va signer un édit pour dire que celui qui ne se prosternera pas devant la statue pour l'adorer, celui-là sera jeté dans la fosse au lion. Écoutez ce que la Bible dit. Daniel continua à prier 3 fois par jour en direction de Jérusalem. Il adora son Dieu. La Bible dit que ces gens l'ont surpris plusieurs fois en train d'adorer Dieu. Et pendant que lui adorait Dieu, Dieu combattait. Et ils ont dit au roi, voilà, il faut le jeter dans la fosse au lion. Pour la première fois de la vie, quand on jette un adorateur dans la fosse au lion devient la fosse à Daniel et le lion devient étranger sur son territoire.
Amen, amen, amen. Hey, Seigneur, Seigneur, tu vas me dévorer. Oh. Et le roi vient le lendemain matin, il dit, Daniel, la Bible dit, avant le lever du soleil, le roi dit, Daniel, Daniel, est-ce que le Dieu auquel tu es fidèle t'a-t-il délivré de la gueule du lion? Ça veut dire que le roi se disait déjà, si un homme peut défier ma statue, au nom d'un Dieu, c'est que son Dieu là doit être terrible. Mais quand il arrive là, qu'est-ce qui se passe? Daniel soit béni. La Bible dit, Daniel va dire au roi, « Oh roi, ni à jamais, le Dieu auquel je suis fidèle. » Le mot utilisé par fidèle veut dire, « Le Dieu devant qui je me prosterne. Pas le Dieu de, pas le Dieu que j'intercède, mais le Dieu que j'adore. » Maintenant, il dit, « Le Dieu que j'adore est venu à mon secours. » Et maintenant, il minimise le lion. Il dit, il a envoyé l'ange fermer la gueule du lion. Comme pour dire, Dieu était venu prendre mon adoration, mais l'ange était venu s'occuper du lion. Après, maintenant, le roi va dire, sortez Daniel. Lorsqu'on fait sortir Daniel, le roi est fâché, il dit, amenez ces gens, leurs familles, leurs enfants, jetez-les dans la fosse au lion. Quand on les jette dans la fosse au lion, le lion les mange doublement. Premièrement, parce qu'il devait payer les impôts pour avoir vu Dieu. Deuxièmement, il devait payer les impôts pour avoir été en contact avec un ange saint, lui qui n'était qu'un animal carnivore. Troisièmement, le lion était fâché contre ces gens en disant, « Moi, j'ai vu une bonne viande, mais cette viande, je ne pouvais pas m'en approcher. » La faim du lion avait augmenté. Et le lion les a mangés avec... Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, les ennemis qui t'accusent adorent Dieu. Amen, 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 amen. Pendant que tu vas adorer Dieu, tu seras en train de les accuser même en langue. Merci Seigneur. C'est comme ça que Dieu me parle. Et je dis à une personne, ceux qui sont en train de proclamer ta fin, ne passe pas ton temps à dire, ils mourront pas, ils mourront pas, ils mourront pas. Non, adore Dieu. L'adoration fermera la gueule du lion et va ouvrir la gueule du lion pour tes ennemis. Amen. Ce sont tes ennemis que le lion va dévorer. Amen, amen, amen. Mais le lion va respecter ton adoration et le lion va lui-même adorer Dieu. C'est pourquoi je continue à élever une adoration, même lorsque le combat est rude. Parce que ce n'est pas le combat qui va fixer en moi un tempérament de colère, de stressé ou de déprimé. Je connais le Dieu auquel moi, Ngawala, je connais le Dieu auquel ma femme, Nana, a cru. C'est le véritable Dieu. Alléluia. C'est pourquoi l'adoration est une puissance. Amen. Et elle devient prophétique lorsque Dieu vous révèle sa grandeur contre vos ennemis. Je vais vous donner un passage qui va vous troubler. Prenez avec moi Exode 14, verset 24. Je sens la présence de Dieu. Amen, 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 amen. La Bible dit, à la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Maman Mireille, lui Moïse est un homme. Il a vu le regard de Dieu. Hey, Seigneur, sauve-nous. En fait, celui qui a regardé le camp des Philistins, c'est pas Dieu. Et des Égyptiens, c'est pas Dieu, c'est Moïse. Mais comme il était dans l'adoration prophétique, il a attribué son regard à Dieu. Et par le simple regard, les ennemis étaient en débandade. Parce que c'est le même Moïse qui avait proclamé leur fin en disant à Israël, l'Égyptien que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus. Parce que dans l'adoration prophétique, vous voyez la fin de vos ennemis. N'ayez pas peur de ceux qui pensent vous empoisonner. N'ayez pas peur de ceux qui disent, on va détruire leur église, on va abîmer leur réputation, on va ternir leur image. N'ayez pas peur. Adorez Dieu de la nuée. Regardez vos ennemis. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Dieu est fidèle.
Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. C'est pourquoi la Bible va jusqu'à dire que celui qui est assis dans les cieux, il se rit de ses ennemis. Merci Seigneur. Non, merci, Dieu est fidèle. L'homme, la dame dont le mari a depuis un temps la main droite qui a commencé comme à sécher. Au point que là, sur sa main, c'est devenu comme une peau assez calcaireuse. Va seulement, salue ton mari maintenant que je parle. Sa main va reprendre sa mobilité, va reprendre sa vie et le sang va couler normalement dans cette main. Parce qu'il avait raté une crise d'AVC. Et Dieu vient de le guérir à cause de sa présence qui est en train de couler maintenant. Les gens qui avaient piégé ton mari est du Kassai. Et les gens qui avaient piégé ton mari, ils sont du village de Chilenge. Et ils étaient assis à trois, en train de proclamer la fin et en train de dire que ton mari devait mourir. Nous sommes le 19 octobre. Et l'Éternel vient de défaire leur puissance et leur force. Et ton mari ne mourra pas à cause de cet AVC, même si ça l'avait diminué, parce que Dieu vient de le guérir. Toi, va seulement touche sa main. Et Dieu va le guérir. Maintenant, je ne dis pas après, parce que de la nuée, j'ai regardé, j'ai vu ton mari, et Dieu est en train de le guérir. Amen, amen, amen. Alléluia. C'est comme ça que la femme qui était à l'époque du roi, il pouvait dire au roi d'Israël, mais il y a un homme en Israël qui voit même ce qui se passe dans la chambre du roi. Ton mari avait même du mal à mettre des chaussures, des souliers. Là, demain matin, mais il va mettre son soulier, partez à l'église, partez adorer Dieu. Amen, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci. Partez adorer Dieu, ceci est pour vous. Même votre fille aînée, qui a des problèmes pour concevoir, Dieu vient de régler son problème. Après votre fille aînée, le deuxième enfant, c'est encore une fille. Elle aussi, Dieu est en train de travailler dans sa vie. Et votre troisième, c'est un garçon, un peu olé olé. Le Seigneur est en train de le ramener à vos pieds. Parce que Dieu avait déjà dit à votre mari que vous devrez le servir. Mais votre mari résistait. C'est comme ça que les fétiches ont quitté Chilenge pour l'atteindre. Et les ordonnances démoniaques qui avaient été signées, Dieu est en train de les déboulonner et de les défaire maintenant que je parle au nom de Jésus. Je peux même aller plus loin pour dire que votre mari avait même commencé, excusez-moi, à malédiction. Il vient de résoudre ce problème-là tout de suite. Amen. Vous êtes une famille que Dieu est en train de bénir. Amen, 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 amen. Rabasanta, Rekeneke, Shitamo, Harabo, Nike, Gerenis, Tavis, Roge, Montena. Vous êtes en France. Parce que j'ai vu que le portable de vous, madame, ça commence par un 06. Ok. Chantaraba. Et après le 06, il y a le 13. Yes. Après le 13, il y a le 05 et puis il y a d'autres chiffres que je ne vois pas. Chambrabo, Karani, Ingrité, Mosso. Dieu, ce soir, est entré dans votre maison, maman. Vous verrez que vous n'avez pas eu tort de croire en Jésus. Vous n'avez pas eu tort de croire en notre Jésus. C'est lui le véritable Dieu. Il n'y en a point d'autre. Amen. Oh, Rabo Santani Karabo, Tenemeshekema. Je continue. Lorsque Dieu, dans sa présence, vous révèle sa grandeur contre vos ennemis, sachez qu'en ce moment-là, l'Éternel a rendu votre adoration prophétique. Sixième clé, sixième ou septième, je ne sais même plus, qui rend l'adoration prophétique. C'est lorsque votre approche vient apporter à Dieu l'information sur le prochain challenge de votre foi. Ok. Je m'explique. Lorsque votre approche vient apporter à Dieu l'information sur le prochain challenge de votre foi. Je vais vous expliquer ça dans la pratique. Vous êtes en train d'adorer Dieu. Parce que Dieu a fait des choses extraordinaires. Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce parce que tu es extraordinaire. Parce que tu es puissant dans tout ce que tu fais. Parce que tu fais des choses extraordinaires. Pendant que vous êtes en train d'adorer l'Éternel,
Mais tout à coup, vous commencez à dire, Seigneur, oh merci parce que je sais que les paralytiques vont marcher bientôt. Merci parce que je sais que les malades que je rencontrerai seront guéris. En fait, vous êtes en train d'amener Dieu devant le prochain challenge de votre foi. Or, ce que vous avez vu, c'est Dieu qui vous l'a inspiré. Le challenge n'est pas de Dieu. Mais le challenge, c'est le vôtre. Mais cependant, la chose qui challenge Dieu, c'est votre foi. Amen, 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 amen. C'est pourquoi j'aimerais vous dire que lorsque vous êtes dans l'adoration, quand elle est en train de devenir prophétique, vous parlez déjà des prochaines étapes, yes, des prochains combats que vous allez rencontrer. Vous commencez déjà à proclamer. Ronga tianinga tianasai. Mongenyo noto kanyo koto sema monikilia. Ningirinite tono setomina kente. Seigneur, s'ils ont dit où est leur Dieu, bientôt ils sauront que l'Éternel, notre Dieu, c'est lui le véritable Dieu. Et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Parce qu'il est le Dieu qui ne change pas. Sa puissance est vraie. Son onction est vraie. Ils peuvent crier. Ils peuvent monter des coups. Mais ils ne peuvent pas nous vaincre. Parce que demain, l'Éternel montrera qu'il est Dieu. Parce que demain, la puissance de Dieu se déversera. Parce que demain, devant les défis qui sont les miens, la gloire de Dieu se montrera. Seigneur, là où on a dit que toi tu as laissé ces hommes pendant qu'ils te sont fidèles, tu montreras au Seigneur que toi tu es fidèle. Si dans la fosse au lion, tu as secouru Daniel, si dans la fournaise, tu as secouru les amis de Daniel, là, 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 tu es en train de nous secourir au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh, je sens la présence de Dieu. 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 Quand est-ce que l'adoration devient prophétique? Huitième clé. Huitième clé. C'est lorsque, en pleine adoration, votre bouche commence à libérer les ordonnances célestes. Amen. Amen, 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 amen. Vous savez, prenez avec moi le psaume 110, versets 1 et 2. Psaume 110, versets 1 et 2. La Bible dit ceci. Psaume de David. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Écoutez ce qui est extraordinaire. C'est que pendant que David est en train d'adorer, il ne sait pas qu'il est en train de libérer l'ordonnance divine qui parle déjà de la venue du Fils de l'homme que lui-même appelle mon Seigneur. Je peux vous dire quelque chose. David est en train d'adopter le Fils qui naîtra de lui comme son propre Seigneur. Okay. C'est pourquoi quand Bartimée s'est écrié, Fils de David, aie pitié de moi, Jésus s'est arrêté. Pourquoi il s'est arrêté? Parce qu'il a compris l'identification par rapport à celui qui était censé être un père, mais qui est devenu un fils, à cause de quoi? De l'ordonnance divine qui était libérée par la bouche de qui? Par la bouche de David. Merci Seigneur. Neuvième clé, sinon ça deviendra indigeste, je m'arrêterai par là. L'adoration devient prophétique lorsque votre esprit est convoqué devant le conseil divin. Je répète, l'adoration devient prophétique. Qu'il me soit permis de dire, j'étais là tout à l'heure en train de discuter un peu avec le Seigneur avant qu'on puisse s'appeler. Et j'étais en train de préparer le message de demain sur le conseil divin. Et c'est là que l'Éternel m'a révélé ceci. Lorsque l'esprit de l'homme est appelé devant le conseil divin, son adoration devient prophétique parce que Dieu lui donne un siège dans sa présence. Ok. C'est comme ça que dans Luc 1, verset 19, l'ange Gabriel pouvait dire, je suis Gabriel. Là où Dieu se tient, moi, Gabriel, je me tiens.
La deuxième des choses, nous sommes dans Genèse 35, verset 1. La Bible dit, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel. On ne peut pas venir dans le conseil divin si on n'a pas été convoqué par celui qui gère l'ordre du jour. Le Saint-Esprit. C'est lui qui gère l'ordre du jour. Le Saint-Esprit. C'est le Père qui préside le conseil divin. Et il peut convoquer qui il veut. Je prophétise maintenant sur 70 personnes qui sont connectées. 70 personnes. L'Esprit va les toucher maintenant. Écoutez ce qui va se passer. L'Esprit de Dieu est en train de vous convoquer dans le conseil divin. La puissance de Dieu est en train de se déverser maintenant sur vous. La plupart d'entre vous, vous allez avoir des visions. Certains d'entre vous vont être emportés en extase parce qu'ils seront emportés en esprit. Je vais parler, Seigneur Dieu, je parle maintenant le langage de l'esprit. Qu'ils soient emportés dans leur esprit, dans ta présence, ô Dieu. Que la grâce du Tout-Puissant, que la grâce prophétique vienne libérer sur eux une onction extraordinaire. Attention, il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Je sens la puissance de Dieu. Maman Mireille, j'ai vu comme une couronne qu'on était en train de poser sur votre tête. Et j'ai vu un lion qui était en train de courir devant vous. Et ainsi parle l'Éternel. Je disperserai tes ennemis. Et je disperserai ceux qui, dans leur réunion et dans leur conciliambule, ont dit qu'ils devaient te mettre les bâtons dans les roues. L'Éternel t'a donné une mission. Pas seulement celle de chanter en faisant le tour du monde, mais celle de libérer la grâce prophétique sur les nations. Et Dieu est en train de me dire que cette grâce est en train d'arriver à maturité. En organisant ces assises pour les autres, tu as organisé ces assises pour toi parce que Dieu avait ouvert ce besoin dans ton esprit. Et je suis en train de voir comment est-ce qu'on est en train de verser sur toi tout un flux d'huile. Tout un flux d'huile qu'on est en train de verser sur toi. L'église dans laquelle tu appartiens ne supportera plus la grâce qui est sur toi. Mais n'aie pas peur, l'onction va t'amener loin. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis le Dieu qui t'a appelé et personne ne bloquera ma gloire dans ta vie. Papa Marcelin, Dieu me parle maintenant de vous. Il y a une élévation qui vient dans votre vie. Papa Marcelin Chiribagoula, il y a une élévation qui vient dans votre vie. Un jour, vous serez nommé gouverneur. Dieu vous a ouvert le ministère. Dieu vous a ouvert les affaires. Et Dieu est en train de vous ouvrir lui-même les portes de la politique. Et l'Éternel me montre que vous tenez un fusil. Et vous avez comme un chapeau qu'on appelle les sombreros ou les borsalinos. Vous avez votre borsalino comme quelqu'un qui va à la chasse. Et il y a des gens autour de vous qui sont en train d'admirer ce que Dieu est en train de faire. Et qui se disent, mais comment Dieu a donné autant de moyens à un homme? Ainsi parle l'Éternel des armées, Papa Marcelin. Parce que vous avez laissé votre femme servir Dieu. Parce que vous avez offert votre femme au Seigneur. L'Éternel vous offre également des richesses qui n'étaient pas prévues dans votre vie. Il vous offre également une place dans le Conseil des Nations. Afin que vous sachiez que l'Éternel Dieu est avec vous. Vous agirez comme un apôtre en sourdine. Mais la grâce de Dieu, les moyens que Dieu vous donnera. Je suis en train de voir des concerts prophétiques organisés avec votre argent. Parce que la puissance de Dieu sera en train de se libérer d'une manière extraordinaire. Il y a un garçon qui me suit maintenant, qui est connecté. Je vois au niveau de ses reins. Il est en train de sentir comme une forte chaleur. Il est en train de sentir comme une forte chaleur. Ce n'est pas ton pantalon qui te serre, mais c'est l'onction de Dieu qui est en train de circuler en toi. Toi aussi, frère, tu as un appel politique dans ta vie. Et l'Éternel est en train de te bénir. Écoute-moi, Arnold. Et cette grâce qui coule sur toi est en train de te dire que tu ne seras pas laissé comme ça parce que Dieu va te secourir. Dieu va t'élever et Dieu va te bénir. Écoute-moi, Glody Kitoko. L'Éternel me parle maintenant de toi. Pendant longtemps, tu as cru que le sacerdoce était pour les autres. Aujourd'hui, sache que le sacerdoce est aussi pour toi.
Écoute-moi, Glody Kitoko. Personne n'élèvera la voix pour t'accuser en jugement. Car la droite du Très-Haut te protégera. La puissance de Dieu s'élèvera tellement dans ta vie que personne ne pourra arrêter ce que l'Éternel a décidé de faire. Tu ne seras pas seulement un grand administrateur, mais Dieu t'ouvrira les portes vers les nations, Glody Kitoko. Et la puissance de Dieu qui est en train de descendre maintenant que je parle. Dieu t'a sélectionné dans cette armée. Maintenant que je parle, il y a un rêve que tu avais fait quand tu étais en Inde il y a longtemps. Ce rêve, Dieu m'a dit, ce sont les moments durant lesquels il va commencer à les accomplir. Il va accomplir ce rêve jusque dans les moindres détails. Rango tana chazambo, te ototo mikera ni fanzi. Isre, isre, isre. Wer no 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 koro non ti nori no mosariba. Oh Laetitia, Laetitia, je ne sais pas ce que tu as fait à Dieu, mais ce soir-là même, le Seigneur est en train de descendre là où tu es. Ce soir-là même, la puissance de Dieu est en train de te toucher. Laetitia, Nurke Navingeritama. Dieu me parle d'une autre personne qui s'appelle Toi Remba, Toi Remba, Toi Remba. J'entends Toi Remba, Toi Remba. J'ai vu Toi Remba, tu es monté sur un cheval et tu allais à grande vitesse. Et l'Esprit de Dieu t'a localisé. Il est en train de me dire qu'il te donne maintenant de la vitesse. Et la vitesse qu'il te donne, personne ne pourra t'arrêter. Toi Remba, Toi Remba, Toi Remba. Je vois la date de ta naissance. L'Esprit de Dieu m'amène vers l'année. Je commence par l'année. Tu es né en 1977. Le mois, tu es né au mois de juin. Le jour, tu es né le 19 juin. Hier, c'était ton anniversaire. Gramo Kantini Jayamosa. Merci pour ta grâce éternelle. Merci pour ta puissance qui est en train de travailler. Merci pour ta puissance qui est en train de travailler. Jean-Marc, j'entends Jean-Marc. Jean-Marc, je ne sais pas si c'est le Jean-Marc de mon fils ou je ne sais pas, mais j'entends Jean-Marc. Oh, Rabo, ça te rameya, ke, yameya, yameya. Je suis en train de te voir marcher. Mais en dessous de tes pieds, c'est comme s'il y a des extincteurs. En marchant, tu es en train d'éteindre des feux que le diable était en train d'allumer. L'Esprit de Dieu me donne trois choses. La première, il m'a dit, veille sur les paroles de ta bouche parce qu'on cherchera à te piéger. Pour te faire dire des choses que tu n'as pas dites, afin de te mettre en porte-à-faux avec ton père spirituel. La deuxième des choses, j'ai vu qu'on te remettait une épée. Et l'Éternel me dit, parle seulement au moment où il le faut, Jean-Marc. Parce que l'autorité de Dieu, à cause de l'onction de cette réunion, est venue se poser sur toi. La troisième des choses que Dieu est en train de te donner, il me dit, tu es comme un Moïse. Tu vas ouvrir la porte à plusieurs personnes de ta famille qui vont entrer dans leur destinée et qui vont toucher des choses puissantes de la part de Dieu. Fifine, Fifine, Atlanta, Fifine, Atlanta, Fifine, Atlanta, oh Rabo Santa, je te cherchais, je t'ai trouvé, je te cherchais, je t'ai vu. Écoute ce que Dieu me dit. La puissance de Dieu est en train de descendre sur toi maintenant. Dieu te donne trois choses. Il t'ouvre l'esprit dans la vision prophétique. Tu vas prophétiser d'une manière extraordinaire. Et tu vas prophétiser avec beaucoup, beaucoup de détails. La consécration devra te garder. Fifine, Atlanta, la consécration devra te garder. Tu ne peux même pas toucher ton téléphone. La deuxième des choses que je voudrais te dire, Fifine, tu avais dit à Dieu, donne-moi l'argent pour donner à ces hommes, à cet homme pour qu'il te serve. Ainsi parle l'Éternel des armées. J'ouvre pour toi les portes des finances, mais sache que tes finances m'appartiennent, dit l'Éternel. Tes finances appartiennent à Dieu. Je vois, tu fais des choses avec un esprit de sacrifice et l'Éternel est tellement puissant avec toi. Dieu vient de révoquer le mandat de ton célibat. Tu vas te marier et ton mari marchera aussi avec ton père spirituel. Une autre chose, Fifine, de laquelle l'Esprit de Dieu est en train de me parler, j'entends princesse, princesse, princesse. Il me dit, tu es comme une princesse entre ses mains. Mais il y a également une femme qui est connectée maintenant, qui s'appelle aussi princesse.
Et l'Éternel est en train de toucher cette femme. Elle va sentir ici, au niveau de son front, ici exactement. Comme s'il y avait une ouverture qui se frayait. Parce que l'Éternel est avec toi. Tu es né en 1989. Krobonai, dai, dai, rokana de sem. Pochino mosam, etomenakos, potenis ba. Gonte non tenomos, poteneket, bani kantazome. Dunque pon ne otendo se intoma un ka un kudinte ma aussi pon. Il y a trois personnes qui sont connectées qui ont une grâce apostolique dans leur vie. Je disais, il y a trois personnes qui sont connectées qui ont une grâce apostolique dans leur vie. Maintenant que je parle, cette grâce est en train de s'ouvrir. La puissance de Dieu est en train de se déverser sur eux. Papa Moïse, on t'a appelé prophète Moïse, moi je t'appelle ce soir apôtre prophète Moïse. Dieu t'a localisé d'une manière extraordinaire, papa. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vu que nous étions ensemble dans une arène. Et nous étions en train de libérer des grâces extraordinaires. La salle était tellement grande. Mais Dieu libérait des grâces extraordinaires. Je voudrais vous parler de la part du Dieu que vous et moi nous servons. Il y a une puissance et Dieu m'a dit, les temps dans lesquels nous entrons maintenant sont les temps durant lesquels l'Éternel est en train de nous faire siéger dans le conseil divin. Et les gens qui avaient minimisé les paroles de nos bouches, ils verront désormais la différence. Car la puissance de Dieu se déversera. L'Éternel m'a dit, Francis, dis à ton frère Moïse, Moses, que parce que vous avez refusé de vous dévêtir devant Pharaon, parce que vous avez refusé de fléchir genoux devant le mal, et parce que vous avez refusé de vendre la grâce, ainsi parle l'Éternel, je vous récompense et je mettrai des rois à vos pieds. Père, je salue ta présence, je salue ta grâce éternelle au milieu de nous, je salue ta puissance éternelle qui se révèle encore. Oh, j'aimerais te dire merci Seigneur pour maman Nana, mon épouse. Père, que durant ces temps, qu'elle se connecte à la grâce qui est en train de couler. Seigneur, j'ai toujours dit, c'est ma femme en esprit et dans la chair. Qu'elle se connecte à cette grâce éternelle, oh Dieu. Que l'onction de Dieu connecte mon épouse à cette grâce éternelle. Cette femme que tu m'as donnée comme compagne, comme amie et comme soutien. Père, que la grâce de Dieu nous unisse davantage, oh Dieu. Devant les challenges qui sont les nôtres, je proclame prophétiquement que Dieu nous donne la victoire. Merci Seigneur. Oh, je sens qu'il y a une grâce, je sens qu'il y a une grâce. La puissance de Dieu est en train de couler dans plusieurs foyers. Maman Mireille Luka Kimakambo, la puissance de Dieu est en train de couler dans plusieurs maisons qui sont connectées maintenant. Il y a comme un tremblement dans certains endroits à cause de la puissance de Dieu. Je suis en train de voir une personne en Italie, à Rome. J'ai vu seulement le nom de l'avenue Di Pietro, Di Pietro, Di Pietro. Et Dieu est en train de toucher cette famille qui est à Rome, sur l'avenue Di Pietro, Di Pietro. Parce que c'est celle que j'ai vue. Rovani Angao, Tereteni Shikamao, Satamingere Maché, Ekere Mama Soto. Seigneur, je te rends grâce pour ta puissance éternelle, oh Dieu. Je te rends grâce pour ton onction. Merci pour ta présence. Je salue ta présence, le Dieu des esprits des prophètes. Je salue ta présence, le Dieu devant qui j'humilie mon âme, mon esprit et mon cœur. Je salue ta présence, éternel, le Dieu qui vaut plus que tout pour moi. Je salue ta présence, le Dieu auquel j'ai offert ma vie. Je salue ta présence, le Dieu qui m'a toujours protégé devant les filets des loiseleurs et de la mort. Je bénis toutes ces personnes qui se sont connectées ce soir. La grâce va couler jusqu'au matin. La grâce va couler jusqu'au matin. Merci Jésus. Je salue ta présence. Je salue ta présence. Oh, Shantarabaya Kante. Oh Dieu. Romo Zandeyabo, Shabeya Kante, Name Okotoso. Eh, Rabo Shakaya Mama. Quand le péché s'était approché, tu nous avais détourné du péché.
Quand le mal s'était approché, tu nous avais évité le mal. Oh Dieu! Bravo, Shatamanakaya Tosi Chopo Tsetete. Mwenda Robosi Kanto Nomo Shateya. Alléluia. Merci Jésus pour ta présence éternelle, oh Dieu. Je te célèbre dans le lieu de ta présence éternelle. Je te célèbre dans le lieu de ta présence, oh Dieu. Le monde peut penser une chose, mais ta bouche a dit une autre chose, éternelle. Tu nous aimes tellement, papa, que personne ne peut t'arrêter. Personne ne peut obstruer l'œuvre de ta main, Seigneur. Je t'aime de tout mon cœur, éternel. Je t'aime de toute mon âme, oh Dieu. Je t'aime de toutes mes forces, éternel. Tout en moi crie Hosanna. Que mon frère, ma soeur qui sont connectés, vivent maintenant la vie de l'Esprit. Se connecte maintenant à la vie de l'Esprit. Adrien, j'entends Adrien Kalala. Adrien Kalala, l'Esprit de Dieu vient de te localiser là où tu es. Il y a une puissance divine qui est en train de descendre sur toi. Eric Mwamba. Dieu est en train de te toucher maintenant. Oh, Rabo Santaraba. Et pendant que Dieu te touche, il est en train de réveiller des dons. Il est en train de susciter des dons qui étaient comme endormis en toi. Roma, Mamie, je ne sais pas pourquoi on t'appelle Mamie, mais toi-même tu écris ton nom Mamie avec E à la fin. M-A-M-A. M-A-M-I-E. Mamie Lutonadio. L'Esprit de Dieu est en train de délivrer ta famille d'un esprit de folie qui était venu. L'Esprit de Dieu est en train de chasser un esprit qui était venu comme une condamnation dans votre famille. J'ai vu que vous étiez dans une maison et la maison était en train d'être secouée. Et j'ai vu le regard de Dieu et cet esprit est sorti de chez vous. Ramo, Karatanta, Zekemene Konto. Daniela, Romama. Ces derniers temps, tu as eu beaucoup de mauvaises pensées qui étaient en train de traverser ton esprit. Que Dieu est en train d'ôter de toi, Daniela. Dieu est en train d'ôter de toi de mauvaises pensées qui avaient élu domicile en toi ces derniers temps. C'était une œuvre du diable dont le but était de te pousser au suicide. Mais écoute ceci. L'Éternel m'a dit, tu avais dit, Seigneur, je veux que tu me parles. Daniela, Dieu vient de te parler. Daniela, Dieu vient de te parler et Dieu vient de te dire que ces pensées-là, il les a enlevées de toi parce que ça ne venait pas de lui. Tu es aussi le choix de Dieu. Vous avez passé par des challenges assez compliqués dans la famille ces derniers temps, mais Dieu vient de répondre. Et Dieu m'a dit, il a répondu à cause de tes sacrifices parce qu'il est avec toi, Daniela, et la grâce de Dieu est en train de travailler en toi. Roma Chantara Mama. Je ne dirai pas son nom, mais j'ai vu, il s'agit d'une femme. Elle a 24 ans. Elle est connectée maintenant, mais elle fait encore pipi au lit. On a fait sur elle beaucoup de prières. Écoute ce que Dieu est en train de me dire. Maintenant que je parle, ça va, c'est en train de s'arrêter. Je ne dis pas ça va s'arrêter. C'est en train de s'arrêter maintenant. La bénédiction que Dieu t'a accordée durant ces temps, c'est que tu ne feras plus jamais pipi au lit. Parce que la grâce de Dieu t'a localisé. La puissance de Dieu t'a localisé. La faveur divine t'a localisé. Oh, Ramo Shatarabayaba Karaba Santarabaye. Oh, merci Jésus. Le Dieu des prophètes. Le Dieu des prophètes, c'est lui mon Dieu. Oh, Rama Santarababa. Merci Seigneur pour ta grâce, oh Dieu. Je sens tellement la présence de Dieu, tellement. Merci pour ce que tu fais, Jésus. Merci Seigneur. Koraba Santaraba Santorobo Shentereba. Yesunangawa mi kolonios. Yo yebibo moi nangai kolo. Atana butu atana moi papa. Oh, Rama Santarababa indeba inde. Konda raba raba shindrebe kompazi. Rekama shakaya baba. Merci Seigneur, oh Dieu, merci Seigneur.
Merci pour la famille Kazadi que tu es en train de visiter maintenant. Fiston Kazadi. Seigneur, merci pour la famille Kazadi que tu es en train de visiter. La famille de Fiston Kazadi. Oh, Rama Santana Machin Terebe. Merci pour ta grâce, éternel Dieu. Merci pour ta puissance, oh Dieu. Merci pour ta faveur. Je sens la grâce. Je sens la grâce. Avant de clôturer, je voudrais encore dire cette parole qui est dans mon cœur. Mes amis, craignons Dieu. Amen. Marchons dans la sanctification. Craignons Dieu. L'onction que tu sens là, elle peut rester dans ta vie. Crains Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. Ne sois pas tolérant devant le péché. Ne sois pas tolérant devant la compromission. Crains Dieu. Il y a une puissance qui est en train de descendre. Mais Dieu cherche des personnes qui le craignent. Des personnes qui marchent dans la crainte de son nom. La prophétie n'impressionne pas Dieu. Mais celui qui se sanctifie dans un monde qui est empreint au péché, celui-là impressionne Dieu. L'homme qui a la foi quand rien ne va, celui-là impressionne Dieu. Chantarabana. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Maman Mireille, que la présence de Dieu soit avec vous. Amen. Que Dieu bénisse Papa Marcelin, que j'aime tellement les enfants. Demeurez sous la grâce, demeurez sous la grâce, demeurez sous la grâce. À vous tous qui vous êtes connectés pour nous suivre, demeurez sous la grâce. Haïssez le mal, haïssez le péché, haïssez l'impudicité, haïssez la masturbation, haïssez l'adultère, haïssez le mensonge, haïssez la cigarette, haïssez la drogue, haïssez les boîtes de nuit. Haïssez toutes ces choses, Dieu vous récompensera. Soyez bénis et demeurez sous la grâce, demeurez sous la grâce. Paix et grâce chez vous, dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Seigneur, je voudrais te dire merci encore une fois, Jésus. Alléluia. Rouba ya bakara ma santa baba. Chende bele 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 kontro ma santa. Avant que le prophète te parle, vous êtes là, vous m'écoutez, je m'arrête qu'on prie pour lui. Adore Dieu pour sa vie. Il y a des dons que Dieu donne pour l'Église. L'Église est en train de traverser un moment où c'est les vrais qui restent. Ce n'est plus le moment de jouer. Et quand on croise, on trouve des gens comme ça, il faut qu'on les protège plus que tout. Il y en a plus beaucoup. Alors avant qu'on ne parte, je veux que tu adores celui qui protège. Tu adores celui qui protège. Celui qui a dit à Moïse, va dans le rocher. Qui le protège, qui le restaure, que chaque fois qu'il ouvre sa bouche pour le chercher. Que Dieu qui s'imprime en lui. Tu fais cette prière avec lui. Seigneur, je t'élève, toi qui protèges. Oh Seigneur, je te bénis éternellement. Je t'adore, toi qui protèges. Oh Dieu, merci Seigneur pour les prières des saints. Je t'aime, Seigneur, toi qui protèges. Oh, merci pour les prières des saints. La vie de ton serviteur est entre tes mains, Seigneur. Merci pour les prières des saints, Jésus. Merci pour les prières des saints, Seigneur. Oh, Rabba Santa, Rabba Chanteur, que tu demeures avec moi. Nous éloignons la maladie de sa maison, de sa vie, au nom de Jésus. Nous éloignons tout ce qui est comme malheur de son église, au nom de Jésus. Tu l'as donné une église, mais il appartient au monde. L'appel qui est pour sa vie, c'est apostolique. Il n'appartient pas à l'église. Seigneur, alors nous te prions, Seigneur, protège, nous garde, le prie et toi aussi. Nous te reposons. Nous pétrons sa vie, si nous pouvons le faire, c'est toi qui le fais, Seigneur. Que ton chalom demeure avec lui, que chaque fois qui pensera à toi, qui sent cette vie, tu le rassures. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Merci, Jésus. Merci beaucoup, prophète. Merci, papa. Je ne sais même pas quoi dire. Merci. Nous disons merci, merci, merci pour ce que vous êtes, l'obéissance que vous avez. C'est ce que moi m'impressionne. Que Dieu continue à déverser de grâce sur vous. Amen. Alors, je ne sais même pas quoi dire. Je suis débordée. Mon cœur tremble. Merci, maman. Je sais pas quoi faire. Je vais oublier mon lit en ligne, je dois me concentrer. On se revient, on est là, on a toujours soif, donc c'est pas bon. On va revenir, on a toujours besoin. En tout cas, merci pour votre temps. Je sais que vous êtes très occupé et trouver ce temps pour nous, c'est vraiment un privilège. Et on honore cela. Nous disons un grand merci en tout cas. D'un cœur très reconnaissant. Merci beaucoup, maman. Alors, nous salutons maman, à toute la famille, à l'église. Cela est arrivé. Merci, maman. À bientôt. À bientôt, papa. Envoie des cœurs pour dire au revoir au prophète. Ok, ok. Bye, 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 bye. Bye. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au fait, on est encore là, demain, à la même heure. Alors, que Dieu vous bénisse. Restez dans la présence de Dieu, s'il vous plaît. On nous a parlé ici, la sanctification va nous aider à rester dans la présence de Dieu. Restez dans la présence de Dieu, restez connectés, humiliez-vous devant sa présence, restez dans sa présence. Je continue à crier ce chant, à chanter ce chant, Seigneur, cache-moi dans ta présence, garde-moi dans le lieu secret. Je vais rester là dans le lieu secret. C'est là que tu as tout ce dont tu as besoin. Il n'y a pas meilleur endroit que là. Alors, avant qu'on ne se quitte, garde-moi, avant qu'on ne se sépare, on va chanter ce petit chant. Fais-le avec moi, chante-le avec moi. C'est une prière. Et je vous couvre tous par le sang de Jésus. Que celui qui vole la parole ne puisse pas voler l'information que tu as reçue ce soir. Que celui qui dévore ne puisse pas dévorer, et toi ou ta famille. Que le sang de Jésus te protège, que toutes les flèches enflammées du diable échouent au nom de Jésus. Que le Seigneur te protège, qu'il te garde dans sa présence. Alors, on va faire cette prière. On va dire à Dieu, nous voulons dormir ou bien nous voulons faire un programme maintenant, mais cache-moi dans ta présence. Je veux te connaître mieux. Je veux t'aimer plus. Cache-moi. C'est que dans ta présence que je peux savoir comment le faire. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Cache-moi. Cache-moi dans le lieu secret. Cache-moi, cache-moi dans le lieu secret. Garde-moi, garde-moi dans le lieu secret. Garde-moi, garde-moi dans le lieu secret. Mon désir est de te connaître mieux. Mon désir est de t'aimer plus, mon amoureux. Oui. Cache-moi, cache-moi dans le lieu. Cache-nous ce soir, Seigneur, dans le lieu secret. Cache ma soeur, cache mon frère dans ta présence, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Cache-nous, Seigneur, dans les lieux secrets, dans ta présence, Seigneur. Nous voulons te connaître mieux, nous voulons te connaître mieux. Nous voulons t'aimer plus, plus encore et encore et encore, Seigneur. Cache-moi, cache-moi. Garde-moi dans les lieux secrets, Seigneur. Là où personne ne peut me voir, là où mes ennemis ne peuvent pas arriver, cache-moi, Seigneur, cache ma famille, cache mes enfants.
dans ta présence, Seigneur. Esther dans ta présence, Abba dans ta présence, Seigneur. Cache-moi, Miranda, dans ta présence, Seigneur. Cache-moi, Robelinda, dans ta présence. Cache Saïda dans ta présence, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. Cache Jemima dans ta présence, Seigneur. Cache ton serviteur et ma main.